Bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, je viens vous inviter à rejoindre la tribu des 13 lunes. La tribu des 13 lunes qui va venir pendant une année, pendant un cycle complet de guérison, un cycle complet de 13 lunaisons, pour vous inviter à reconnecter à votre puissance féminine et créatrice. Je m'appelle Meg, je suis coach en exploration de soi. Et depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne les femmes à vivre leur meilleure vie ici et maintenant. Tout au long de mon parcours, je me suis formée dans beaucoup de choses. J'ai accompagné beaucoup de personnes sur la voie du yoga. J'ai accompagné des personnes avec le coaching, les neurosciences, la PNL, l'hypnose, etc., etc. Et je remarquais, à force de cheminer, que toutes les voies que j'avais entreprises dans ma vie étaient des voies dominées et faite et tracée pour le masculin. Il est temps d'honorer notre nature féminine. Il est temps d'honorer le fait que nous sommes les représentants du féminin. Et il est temps d'emprunter la voie du féminin. Depuis des siècles maintenant, notre société est dominée par des voies masculines qui n'honorent pas les cycles réguliers de la lune, de la nature et de la femme. Or, c'est un pouvoir extraordinaire que nous possédons toutes et qui peut nous aider à vivre une vie en harmonie, en paix et dans la joie avec qui nous sommes et avec toutes les personnes qui nous entourent. Et si l'origine de tous nos problèmes était cette disharmonie entre les cycles de la nature, les cycles de la lune et des saisons, nos cycles intérieurs, les cycles du féminin, opposés à notre façon de vivre au quotidien. Et si cette disharmonie nous empêchait vraiment d'être heureuses, nous empêchait de nous accueillir tels que nous sommes vraiment, et si tous nos problèmes avaient démarré le jour où l'homme avait décidé, au lieu de la protéger, d'exploiter notre terre-mère. Et si à chaque fois qu'on posait des bandages de goudron et qu'on momifiait la terre ainsi, on se momifiait aussi nous-mêmes, on s'empêchait de vivre vraiment à notre place. En 2022, je t'invite à venir te reconnecter à ta nature cyclique, à ta pleine puissance créatrice et nourricière, à travers ce que tu es déjà. Pas besoin de suivre un autre chemin que le tien. Il ne reste plus qu'à savoir regarder, écouter ton chemin et oser le suivre. En 2022, je t'invite à venir vivre un nouveau calendrier, pas celui divisé en 12 mois et 4 semaines, etc. Un nouveau calendrier. Le tien, celui de tes cycles, celui de ton cycle, celui du cycle de la nature et le cycle de la lune, car nous ne sommes pas dans la nature, mais nous sommes la nature. En 2022, je t'invite à venir avec nous honorer chaque lunaison. Les Amérindiens, autrefois, prenaient la tortue comme symbole de la terre-mère. Et sur la tortue, il y a 13 carrés. 13 carrés représentant les 13 lunes de l'année, les 13 cycles lunaires de l'année qui représentent à eux-mêmes le cercle de la médecine, un cycle complet de guérison. 13 lunes représentant les 13 aspects du féminin sacré et puissant. 13 lunes et 13 mères originelles qui nous montrent et qui nous guident comment développer nos dons et nos talents pendant notre marche sur la terre. 13 lunes pour se retrouver entre sœurs et honorer ce legs de la sororité. Et si toi aussi tu n'as pas auprès de toi des cercles de femmes qui se retrouvent ainsi régulièrement pour honorer leur nature et développer leur puissance féminine, alors je t'invite à me rejoindre en ligne dans la tribu des 13 lunes où nous allons nous soutenir et cheminer ensemble pendant 13 mois extraordinaires. Comment ça va se passer? C'est très simple. On va se retrouver chaque mois en cercle de femmes, en cercle de guérison et d'empuissancement. En ligne sur Zoom, chaque dimanche les plus proches possibles de la nouvelle lune. Mais ce n'est pas tout. Le 2 janvier, nous allons ouvrir le groupe d'échange qui nous suivra tout au long de l'année. Le 2 janvier, tu recevras aussi le premier poème de l'année. Et chaque jour, je t'enverrai un poème qui te permettra de reconnecter à la lune en cours, à la gardienne en cours et à ton féminin. En plus de ce groupe d'échange et de ces poèmes que tu recevras chaque matin, qui auront le pouvoir de te mettre dans une belle énergie. Tu auras aussi accès à une plateforme où je mettrai dedans
tous les enseignements en lien avec cette quartienne. À chaque nouvelle lune, les vidéos, les audios, les chants se débloqueront pour que tu aies accès et que tu puisses de chez toi accueillir cette gardienne. Nous nous retrouverons ensuite en cercle pour accueillir ensemble et honorer ensemble cet aspect du féminin. Nous pourrons alors échanger, guérir, transmuter, se reconnaître, se soutenir et cheminer ensemble vers notre guérison. 13 lunes, 13 cercles, mais pas que. Si tu loupes un cercle, tu ne loupes rien. Car tous les enseignements te seront transmis. Toutes les femmes qui auront des choses à te partager pourront avoir accès à toi dans le groupe. Et je sais aussi par expérience que des liens individuels se créent. Rejoins-nous pour une année extraordinaire, reconnectée à ta nature féminine, pour lui donner l'espace de te montrer tout son pouvoir et son potentiel et de pouvoir ainsi manifester une vie qui te correspond sur mesure. Une vie qui te rend heureuse, pleinement satisfaite et pleinement dans l'amour de qui tu es. Et en étant dans l'amour de qui tu es, tu rayonneras alors cette belle énergie qui te permettra de donner aux autres quand c'est juste pour toi. Et plus tu donnes, et plus tu verras que tu recevras. Que finalement, donner et recevoir ne sont qu'une seule et même chose. Et c'est là le pouvoir du féminin. Et c'est cela que j'ai envie de découvrir, de redécouvrir, d'approfondir et de développer avec toi et avec cette petite mouche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Tu as toutes les informations dans le lien ci-dessous. Tu peux t'inscrire. C'est 20€ par mois seulement parce que j'ai à cœur qu'on se retrouve dans la plus grande simplicité et que ce soit accessible à toutes celles qui ont l'appel de venir nous rejoindre. Tu as toutes les infos et les dates des cercles. Je te rappelle que le 2 janvier, le groupe de partage s'ouvre et que les premiers enseignements te seront envoyés. J'ai hâte de te retrouver. Namasté.